il n'y a plus de saison. Et donc, c'est l'histoire de deux employés, deux salariés, qui arrivent sur leur lieu de travail le matin et qui manipulent des cartons et des colis, des objets toute la journée. Ces objets ne leur sont pas destinés, mais en tout cas, ils les vérifient, voilà, en vue de leur acheminement. Donc on va parcourir cet enchaînement du printemps à l'hiver à l'échelle d'une journée, du matin au soir. Et donc le théâtre d'objets, c'est une discipline dérivée des arts de la marionnette, mais ce n'est pas de la marionnette, vraiment. Cette dimension-là peut être aussi parfois très drôle, très humoristique. Il y a le niveau très visuel, il y a beaucoup d'images, de couleurs. Il y a une vraie recherche là-dessus. Et il y a aussi un fond qui peut amener à discussion, à réflexion, et donc des discussions qui peuvent être partagées en famille.